Messieurs, dames, aujourd'hui je vais vous présenter le grand frère, l'exécutive. Comme vous pouvez le voir, la différence majeure avec le petit frère, c'est que celui-ci est totalement autonome et sans fil. Alors, comme vous pouvez voir ici, nous avons mis la bouteille sur un support juste à côté pour la simple bonne raison qu'il est fortement conseillé de ne pas se mettre à l'arrière de la machine car avec les fortes températures, de temps en temps, on a donc notre support arrière qui ne résiste pas avec le poids de nos bouteilles. Il va se déformer ou se casser avec le temps. Donc dans les boîtes, il est tout le temps livré ce support noir. Nous, on vous conseille de s'en servir. Après, vous voyez ici, c'est la trappe où nous avons mis notre batterie. Voilà, qui se recharge automatiquement. Une fois que l'appareil est chaud, on a une carte électronique thermique qui permet de le recharger. Ensuite, ici, vous voyez, ce sont les grilles de diffusion du CO2 qu'il faut absolument ne pas obstruer. Ici, vous voyez, nous avons toujours notre zone de capture avec, de temps en temps, vous voyez, un petit peu d'humidité, c'est normal, la condensation qui tombe, surtout en début de saison. Au niveau du filet de capture, vous voyez, il est ici. Hop là, là. Donc, on a une trappe d'accès qui permet d'ouvrir et de récupérer les moustiques. Alors, en termes de nettoyage, nous, alors, on vous conseille déjà d'appuyer en bas, vous voyez, au fond du filet et de tirer vers vous. En l'inclinant, il sort très facilement. Ensuite, un petit coup d'aspirateur et de soufflette vous permet de nettoyer et d'enlever la plupart des moustiques. Il ne faut pas s'inquiéter si de temps en temps vous avez des moustiques qui sont sur cette zone-là. Messieurs, dames, ensuite, vous réinsérez d'abord la tête du filet. Hop là! Et vous poussez. Très important, au moment de la fermeture, on vous conseille de bien vérifier qu'on soit donc sur le système de bouton qui permet d'ouvrir la trappe et de ne pas forcer si ce n'est pas le cas. Donc une fois qu'on est en face, on appuie dessus et on ferme. Avec deux mains, c'est beaucoup mieux que moi qui suis en train de filmer, c'est-à-dire une main qui tient juste en dessous l'affichage au niveau donc de la poignée qui permet de déplacer la machine et une autre qui permet d'appuyer. Voilà, donc quand le fonctionnement de la machine est normal, vous voyez, on a run qui apparaît. Une fois que vous avez donc votre bouteille de gaz qui est vide, vous aurez ici au niveau de l'affichage attention qui apparaîtra et votre voyant sera rouge fixe. Pensez très important qu'au niveau donc de la machine, lorsque vous allez changer la bouteille de gaz, le bouton ici sera orange pendant un petit instant de 5 à 10 minutes où vous aurez ici un message warm qui permet de chauffer. Si pour X ou Y raison vous voulez déplacer la machine, vous n'hésitez pas, vous appuyez sur ce bouton. Vous aurez ensuite un message cool qui apparaît. Vous attendez donc que la ventilation se soit arrêtée, que la machine inscrive bien off, vous débranchez votre bouteille de gaz et surtout vous ne déplacez pas l'appareil avec la bouteille de gaz en même temps. Sinon vous risquez de l'abîmer. Voilà, cet appareil aussi garanti 2 ans, nous l'avons en stock et comme d'habitude, toute installation est réalisée par notre part. Aucune vente ne sera faite directe sans installation et sans aucun avis technique de notre part. Merci.